Bonsoir tout le monde, les amis, la vie de ma mère, j'ai envie de péter un câble les gars, c'est un truc de fou, la vie de ma mère, c'est quoi cette équipe de merde? Tu mets la Finlande en face, à notre place, la vie de ma mère, ils font mieux, mais c'est incroyable ça les gars, je comprends pas, c'est quoi cette équipe de plouc? Déjà, j'ai vu le match contre la Hongrie, j'étais pas confiant, frère. On a mis 3, on s'en bat les couilles de comment on gagne, je sais pas quoi, on a rien à foutre, frère. Mais la vie de ma mère, c'est pas l'Allemagne qui a été fort, attention les gars. C'est nous, on a été à chier, frère. Je vais vous dire ce qui allait pas dans ce match, les gars. Défensivement, vous pensez qu'il n'y avait pas un problème, les gars? La vie de ma mère, les gars, incroyable. Défensivement, frère, on était à 3 km des joueurs. Ouais, moi aussi, frère, je suis fort. Moi aussi, je suis fort, les gars. La vie de ma mère. T'es là, frère, défensivement. Le mec, il attend, tac. Il est comme ça. Bam, il se retourne. Bam, il fait le jeu. En face, il a du talent, frère. C'est pas la Hongrie. La vie de ma mère, je comprends pas le marquage, les gars. Il met 2 poids lourds au milieu de terrain. Un poids lourd, c'est censé prendre de la place. Je sais pas, moi, au moins ça. La vie de ma mère, les deux, ils ont servi à rien. C'est un truc de fou, les gars. Danilo Pereira et l'autre là, comment il s'appelle? William Carvalho. Wow, j'en peux plus les gars, j'en peux plus. Heureusement que Danilo il joue plus à Porto, la vie de ma mère. Je l'aurais insulté tous ses morts, c'est un truc de fou frère. Mais le pire, bah, on a perdu le match à cause de ça les gars. 3 km au marquage et les Allemands, normal frère. Une, deux, une, trois, une, mes couilles frère, normal frère. La vie de ma mère. C'est incroyable ce qui s'est passé ce soir les gars. La vie de ma mère, je suis dégoûté. J'ai vu le premier but, je me suis dit c'est bon, on est lancé frère, on va gagner, on va faire match nul au pire, au mieux carrément. La vie de ma mère, on s'est fait bouffer tout le match et c'est la vérité, c'est incroyable les gars. La vie de ma mère, j'ai le démon et je peux. Ce soir-là, je vais dormir, il est 20h samedi soir, j'en ai rien à foutre, je vais dormir, j'ai plus de foi en rien les gars, rien du tout. Incroyable les gars, c'est un truc de fou frère. On s'est fait baiser par ces putains d'Allemands. D'ailleurs, c'est quoi ce raffut, les gars? Ils étaient à domicile, ça fait 2 matchs. Les équipes, ils jouent à domicile, je comprends pas. Les Allemands, bande de grosses merdes que vous êtes, je vous déteste à vie, frère. À vie, la vie de ma mère, frère. Kai Havertz, espèce de. La vie de ma mère, toi, faut mettre un panneau. Attention, frère, faut mettre un point d'exclamation. Attention, sale bâtard, va. Rien que tu nous as tué tous nos joueurs, sale escroc, va. Et même pas t'as pris un rouge. Espèce de. L'arbitre, c'était qui, frère? C'était un vendu, c'est obligé. Avec son crâne chauve, là, espèce de bâtard. Et le deuxième but, là. Le deuxième but, bon, ok, c'est Médo, il était pas à sa place, je suis d'accord, les gars. Mais frère, je crois qu'ils ont échangé la ligne rouge et la ligne bleue sur leur jeu. La vie de ma mère, il est hors jeu de la main, les gars, de la main, frère. Espèce de bâtard d'arbitre de merde. À la VAR, je suis sûr, c'était des Français, frère. Incroyable. Après le boulevard, d'ailleurs, en parlant de. En parlant de VAR, après le boulevard Pavard cet après-midi, on va instaurer au Portugal le boulevard Semedo, les gars. La vie de ma mère, mais qu'est-ce qu'il est nul ce mec. Mais qu'est-ce qu'il est pourri. Je comprends pourquoi le Barça, ils t'ont jeté comme une grosse merde, frère. Et en plus, ils ont fait une affaire parce qu'ils ont ramassé de l'oseille sur toi. La vie de ma mère, c'est vrai. Semedo, mais vous avez vu ce match qu'il a fait, frère. Oh, j'espère le prochain match, il va mettre Diogo Dalot, frère. Diego Dalot, je sais pas comment il s'appelle. Il pourra pas faire pire, frère. La vie de ma mère. Après, il fait quoi à la mi-temps? Il sort Bernardo Silva, frère. Wesh! La vie de ma mère, je comprends pas. Pourquoi tu sors Bernardo Silva? C'était l'un des meilleurs sur le terrain, frère. Je comprends pas, pour une fois. Le mec, il va être député contre la France. Il va être à chier, frère. La vie de ma mère, c'est Semedo, espèce. Oh, toi, frère. Toi, ah ouais, j'ai envie de me battre contre toi. Le mec, il était là, il a parcouru du match. À la fin, il était là, il revenait comme une danseuse. Comme ça, les gars. Mais gros, qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Il est pourri, frère. C'est incroyable. Cancelo. Oh, le Covid, c'est fini. Le mec, frère. Toi, t'es un vendu aussi. Je suis sûr, les Anglais, ils t'ont payé pour pas jouer, frère. Oh, c'est quoi ça? Incroyable, les gars. La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Cancelo, mais t'es où? Tu me manques, toi. Tu me manques plus que ma meuf, frère. La vie de ma mère, c'est vrai. Sale bâtard. Je vais revenir sur la paire, là. Quelle paire? C'est la fête des pères, frère. Danilo, William Carvalho. Mais bande de grosses merdes que vous êtes. Vous, pour le coup, vous êtes des grosses merdes, frère. Qu'on voit au loin et tout. La vie de ma mère. Toi, vous connaissez l'expression, les gars. Loin, beau de loin, mais loin d'être beau. La vie de ma mère, c'est ces 2 cancres de merde, frère. La vie de ma mère. Pas un duel gagné de la tête. Pas un duel gagné au sol. Je comprends plus, les gars.
Oh, l'équipe a été mauvaise, mais le coaching, faut en parler. Incroyable, t'as peur de quoi, frère? La vie de ma mère, déjà, quand tu rentres sur le terrain en reculant, t'as perdu d'avance, frère. Toujours, c'est comme les meufs, les gars. Si t'y vas et tu te crois moche, la vie de ma mère, la meuf, elle va se barrer. T'y vas, tu te crois beau, tu te prends confiance. La vie de ma mère, la meuf, elle va rester. Ben là, c'est pareil, les gars. On a pris le match à reculons. On savait qu'on allait se faire baiser dans nos têtes. Et ça s'est vu, frère. Wesh, 4 buts on a encaissé. Gossens, sale bâtard, va. Bon, après, ça va, c'était facile pour toi. Même tu mettais, je sais pas moi, tu mettais digne alors qu'il est pourri, frère. Il faisait la même. La vie de ma mère, c'est vrai, les gars. Incroyable, ce match, je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté, je suis dépité. Je vais aller dormir, frère. La vie de ma mère, moi qui voulais me jeter dans la piscine pour me rafraîchir, je vais aller au lit, je vais transpirer comme un bâtard. La vie de ma mère, les gars. Incroyable, je suis dégoûté, je suis dépité, frère. On va aller chercher la qualif contre la France. On va rentrer une main devant, une main derrière, et ciao à la maison, ouais. La vie de ma mère, ça va pas nous faire de mal, je vous le dis, nous. La vie de ma mère, vaut mieux ça pour mieux se reconstruire, comme on dit. La vie de ma mère, ou pas d'ailleurs, parce que frère. Je sais pas, je comprends pas des fois. Les gars, t'as Renato. Qui a vu le match de Renato? C'est la seule bonne note qu'il y a eu ce soir, les gars. Vous avez vu sa frappe incroyable. Renato Sanchez, le seul mec qui a des couilles dans ce club. C'est le mec le plus moche sur la photo, mais c'est le seul qui a des grosses couilles. Et c'est la vérité, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. C'est un truc de fou, frère. Jelan, il est trop fort, frère. Normalement, il a des rastas, ça devrait le ralentir. Au contraire, c'est un super Saiyan, ce mec. La vie de ma mère. C'est lui, c'est sûr, il va quitter le LOSC. La vie de ma mère, tous ces joueurs là qui jouent à Manchester City, Manchester United, je sais pas où, Barcelone, je sais pas où, l'autre Ruben Dias est le meilleur joueur de première ligue. Mais t'as faussé les résultats, c'est obligé, frère. T'es nul, Pépé, la vie de ma mère, 38 ans, il a été meilleur que toi, et je le pense, je vous jure, les gars. Incroyable, Pépé, t'as été. Il y a eu deux bonnes notes ce soir. C'était toi, Pépé et Renato. Le reste, à chier, frère. Aucun caractère, aucun charisme. À la fin, ils faisaient tourner, même pas en mettait le pied, même pas en montait, frère. Je suis sûr que c'était calculé. Ils voulaient 2 buts. Comme ça, on a plus un, frère. Mais on est quand même 3e. C'est un truc de fou, les gars. La vie de ma mère. Nous, le Portugal, on n'est jamais en confiance. Toujours, faut qu'ils jouent avec nos nerfs. Toujours, faut qu'ils jouent avec notre cœur. C'est un truc de fou. Pourquoi tu vas pas chercher le nul? Je comprends pas. L'autre à la 60e, il met l'équipe C, lui aussi. Oh, il nous a respecté, lui ou quoi? Et nous, tranquillement, on reste toujours derrière. Wesh. Notre bloc, frère, la vie de ma mère, il est au point de penalty. C'est un truc de fou, les gars. La vie de ma mère, je suis dégoûté. Bruno Fernandes, alors toi, espèce de bâtard, va. La vie de ma mère, retourne en Angleterre, on va te renier. T'es nul, t'es explosé au sol. Je comprends pas comment à Manchester, t'es incroyable. Et là, au Portugal, mais t'es dégueulasse, frère. On t'a pas vu. Toi, la vie de ma mère. Toi, t'as vu, t'as pas été le plus dégueulasse, mais pour moi, t'as été le plus nul, mais le plus naze, gros. T'es incroyable à United. Et là, t'es dégueulasse, mon frère. Incroyable, je comprends pas. João Félix, petite note pour toi là aussi. Le match d'avant, le coach te prend pas et là tu fais semblant d'être blessé. Espèce de corrompu de merde, va. T'es nul toi aussi. Même si t'as pas joué, t'es nul et je te veux plus dans la sélection. Casse-toi, frère. La vie de ma mère, j'ai le démon, les gars. J'ai la haine, c'est un truc de fou. Faut que je me calme, les gars, faut que je me calme. Je vais casser un truc, c'est un truc de fou. Heureusement, je vais aller dormir tranquille, en paix. J'espère que demain, ça ira mieux, frère. Quel match de merde, je suis sur le cul les gars, c'est un truc de fou. Je vois la France qui fait match nul, on aurait pu prendre la première place provisoire. Eux ils font quoi frère? Ils se mettent à 11 derrière et même pas ils défendent frère, même pas ils défendent. La Hongrie défend mieux que nous les gars, c'est un truc de fou. Même pas ils défendent, ils sont spectateurs du jeu de l'Allemagne les gars. Incroyable, on a été dégueulasse. Et ça sera le mot de la fin. On a été nul fois nul, exposant nul est égal nul. On a été pourri ce soir. Remettez-vous en question, bordel de merde.